Hey, hey, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice joue à Nuclear Throne. Aujourd'hui dans Nuclear Throne, bah on va laisser décider le hasard de notre personnage comme d'habitude. Suspense. Plante. J'aime pas plante. On va jouer avec plante. Alors avec plante, du coup, peut-être se faire le jeu que avec le raccourci. Aïe, oui, ça commence très bien. Pourquoi? Parce que avec plante, si on finit le jeu en moins de 10 minutes, on débloque son skin alternatif. Pour cela, plante a les outils nécessaires, surtout si on arrive à choper son cul de trône, qui permet, si on met une racine sur les ennemis, donc si on utilise sa capacité sur les ennemis qui ont moins de 33% de points de vie, de les tuer immédiatement. Pourquoi c'est important? Bah parce que pour les boss, si vous leur mettez hop là, un petit truc de ronce, et que vous, après vous continuez de leur tirer dessus, quand ils vont arriver à 33% de leur point de vie, ils vont mourir direct. Ça marche sur le trône, cette petite capacité. Donc ça permet, en plus si vous avez Scarier Face qui diminue le nombre de points de vie des boss, d'aller très vite sur les derniers niveaux. Enfin sur le dernier niveau avec le trône. Et donc c'est comme ça que font les gens pour faire des speedruns hyper rapides avec ce perso. Évidemment, il faut s'en remettre un petit peu à la chance parce que vous n'êtes pas du tout certain que le jeu va vous finir la mutation cul de trône. Hein. Vous n'êtes pas du tout certain de choper non plus Scarier Face. Néanmoins, si vous y arrivez, le dernier combat est tellement rapide que ça permet vraiment de faire des temps assez impressionnants. Donc pour l'instant, on n'a rien de tout ça, mais on a quand même Strong Spirit et la patte de lapin, ce qui sont deux excellentes mutations. On s'est aussi chopé dans la bataille une petite arbalète. J'espère donc évidemment me choper Bolt Marrow à un moment, ce serait cool. Et alors le problème toujours hein, quand on prend les raccourcis, c'est que les armes sont de rang faible. Du coup là on est obligé de gérer ses ennemis au pop gun, qui est pas une mauvaise arme mais qui les tue pas très vite. Ok, c'est un petit peu dangereux ce que je fais là, j'aurais dû le bloquer avec... Voilà, comme ça. Ah ah, prêt à ton propre jeu ma belle hein. Elle est où ta toile d'araignée maintenant? Mouhaha. Ok. C'est fini, on se casse. Alors j'aurais dû activer le petit chrono du coup. Ah ah, excellent. Excellent. Merde. Voilà. Donc sur les Yetis, c'est très intéressant d'utiliser cette capacité de plante. Parce que du coup, vous voyez, hop là, ça les bloque. Ce qui est plutôt une bonne chose. Plutôt qu'ils viennent nous faire un peu de patinette dans la gueule, là. Dis donc, il y a beaucoup trop de Yeti là-haut. Attention, on l'a raté. Splinter Gun, vas-y. Ça me permet d'être un peu moins précis que l'arbalète, même si ça fait un peu moins de dégâts, c'est pas grave. Je vise tellement mal, je pense que c'est nécessaire. Dégage-toi, toi tu restes bloqué. Donc ça permet aussi d'économiser des munitions, hein, de les mettre dans nos ronces, parce que ça leur fait un peu de dégâts, et quand ils vont arriver à 33% de points de vie, paf, ils vont mourir direct. L'appel, non merci. Il est où ce con de robot? Tu meurs? S'il te plaît, veux-tu bien avoir l'amabilité de mourir? Non mais oh. Ok, là on a été un peu lent sur ce niveau, je pense qu'on n'arrivera pas au trône en 10 minutes. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, si on arrive au trône, ce serait cool. Ah putain de merde. Oh putain. Meurs toi. S'il te plaît, meurs. S'il te plaît, meurs, espèce de connard de chien. Putain, il nous a fait combien de boulettes dans la gueule, ce con. Oh là là. Bon, bref, c'est pas grave. Enculé de chien. Ça, c'est dit. Ne répétez pas ça à la SPR. Hein. Putain. Je suis mauvais. Je suis de plus en plus mauvais. Ça, c'était vraiment ridicule quand même. Reculer dans la boulette. C'est pas grave, on est reparti. Avec le raccourci, on va très vite retourner à ce niveau-là. C'est le principe du raccourci. Quand même, là, c'était vraiment nul à chier. Hein.
reculer dans cette boulette, se faire toucher trois fois par le chien. Oh là là. J'ai eu du bol. Ok. Allez, on avance. On y va, on va y arriver. Et alors sur Vita, j'ai réussi à faire ce défi des moins de 10 minutes. Néanmoins, le jeu est buggé, donc on débloque rien. Le jeu plante en fait, quand on arrive au trône en moins de 10 minutes avec plante. C'est très sympathique hein, de te faire chier à faire ça pour arriver sur un gros écran d'erreur du jeu. Laser pistol, mais pourquoi tu me files que des laser pistols, mec? J'en ai déjà un, il est en or en plus. J'en veux pas de ton laser pistol pas en or, moi je suis bling bling, mec. Aïe. Attention aux flammes. Attention aux flammes, bordel, j'ai dit. Ok. Tu bouges pas. Tu bouges pas, j'ai dit. Voilà. Non mais oh. On avance. Gamma Guts, très bien. Et... Ok, deux SMG, je vois pas trop l'intérêt. Mais, dis donc toi. D'où tu restes pas bloqué dans ma tour? Tu... Est-ce que tu veux bien avoir le bon goût de respecter les règles du jeu, s'il te plaît? Non mais oh. Quand je te mets dans des ronces, tu ne bouges plus. Voilà, merci. Prends exemple sur tes copines, quoi. Alors... Il serait grand temps de remplacer notre pistolet laser d'or, là, parce que... Là, ça passe encore, mais je pense que pour les prochains niveaux, ça va plus le faire du tout. En plus, il est vide. Oh, c'est de la merde. C'est de la merde, mais c'est mieux qu'une arme vide, hein. Ah, excusez-moi. On va prendre ça dans l'espoir d'avoir une arbalète un jour. Ça ne tue même pas le robot en un coup. Fort bien, c'est vraiment de la daube. On va pas l'utiliser du coup, hein. C'est vraiment trop pourri. Alors si on pouvait se choper Scarrier Face, ce serait vraiment la fête. Pas maintenant. On va l'ouvrir, mais pas maintenant. Oh là là, ça prend tellement de tirs pour tuer un Yeti, quoi. Tu déconnes, toi. Il a cru qu'il allait me lancer la voiture dans la gueule. Il m'a pris pour un bleu. Alors, attention, c'est parti pour la course infernale. Maman ! Ah ! 22, là, les flics ! Ok. Parfait. Vive le flak cannon. Ça, c'est un fusil à pompe de base. Non, c'est une mitraillette. Non, c'est un pop rifle. Rien à voir, décidément. Et ça, c'est quoi? Un double shotgun. Salut, monsieur le robot doré. Il y a des gens, ils s'annoncent avec un jingle, avec un petit écran. Enfin, je veux dire, les boss, c'est comme ça qu'ils font. Mais toi, non, toi, tu t'annonces avec une roquette, quoi. Salut, c'est moi, boum, je te mets une roquette dans la gueule. Sympa, hein. On a que des armes de merde pour l'instant. Bon, pas grave. Hop là. Tu bouges plus. Je suis pas certain qu'on arrive à charger notre portail. Vu la position du portail et la position des ennemis, je pense qu'on va pas y arriver. Tant pis. Ah, on y était presque. Bon. Ça, c'était pas du tout le bon plan, hein, devoir passer à côté de la voiture quand l'ennemi va me tirer dessus. Un petit peu tendax. Excellent. Si on arrivait à se choper un... Putain d'enculé. Maman. Je suis caché. Ah. Ok. Si on arrivait à choper un auto-crossbow pour la suite du jeu, ce serait vraiment excellent.
voir on pourrait réussir ce défi de moins de 10 minutes. Je sais pas trop où on en est, mais on doit pas encore y être. Mais bon, on a perdu quand même pas mal de temps sur ces niveaux de la cité en OG. C'est quoi ça? Lightning pistol, vas-y on prend. Ok. Salut les mecs. Ah mais je suis con, on a Gamma Guts Scarier Face. Câlin pour tout le monde! Oui oui, même pour les gros robots, rien à foutre. Ok. On arrive au moins au laboratoire, cet épisode sera pas complètement raté. Oh putain. Bande d'enfoirés quoi. Tu dégages toi, merci. C'est quoi ça? Un Heavy Grenade Launcher? Yes. Je vais me tuer avec, hein. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Faites pas genre on le sait pas. On sait très bien que je vais mourir avec une grenade. Mais c'est rigolo, c'est pas grave. Toi je t'ai vu, ça c'est un Boon sur un SMG, ça m'intéresse pas trop. Tiens! Tiens! Ok, très bien. Et on avance, on avance, on avance, on avance. Vous avez cru hein, que j'allais me faire exploser sur ce petit poisson. Splinter Gun. Allez. Par contre, j'ai pas de munitions, quoi. Ça, c'est dommage. Ah, mes radiations, merde. Non, 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 mon stick a rebondi. Quel con. Bon, bah, c'était pas ça que je voulais, évidemment. Hein. Je pense que vous vous en doutez. Alors, c'est le bordel. C'est le bordel. C'était évidemment Trigger Fingers que je voulais. Et merde. Ah, putain. Et voilà, du coup je suis un peu frustré de pas avoir eu Trigger Fingers, qui m'aurait permis de survivre probablement. Mais bon, quoique là, peut-être que j'en rajoute un peu. Ah là 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 là. C'est dommage. Du coup, ouais, j'étais frustré d'avoir fait une connerie quand même. Faire des conneries en te faisant toucher par les ennemis, c'est une chose. Faire des conneries dans les menus de sélection... non mais attendez, je fais des bêtises là. On prend le raccourci. Faire des bêtises dans les menus de sélection, je pensais quand même pas être aussi bête que ça, mais apparemment si. Apparemment si, ma connerie est sans limite. Alors le jeu recommence à me donner plein de laser pistols, ok. J'en ai déjà un d'or, hein, tu sais. Ça m'intéresse pas beaucoup du coup. Bon, tant pis. Et en plus, j'avais le combo parfait pour exploser le trône, quoi. C'est vraiment dommage, hein. J'avais le throne butt et Scarier Face, quoi. Le trône aurait vraiment pas fait long feu. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Merci pour les sympathiques armes que tu me proposes. Mais tu peux te les garder, bordel, un tournevis, putain, mais tu me prends pour qui? T'as qu'à me donner le tournevis quand je prends pas le raccourci, quoi, merde. Ah là là. Ce jeu, il n'apprendra jamais ce que j'aime. Ça fait un moment qu'on se connaît pourtant. Hein. Avant, il avait des petites attentions pour moi. Il me donnait un Gatling Slugger, il me donnait des trucs sympas. Mais non, maintenant, il me donne des tournevis, quoi. Qu'est-ce que tu veux? La flamme s'est éteinte. C'est comme ça, les vieux couples. Tu veux pas tirer plus de roquettes encore, mec? Je m'en fous, je passe. Ok. Oh putain. C'est bon. Où est le portail? Allô? Le portail, s'il vous plaît? Merci. Ok. Ça. Clairement là, on veut des mutations bien précises. Oh là là, c'est 4 coups, putain, c'est de la merde. Carrément. J'étais dans l'ennemi, du coup, mon tir là, ne l'a pas touché. S'il te plaît, là. S'il te plaît, bordel. Est-ce que tu veux bien tuer cette araignée? Merci bien. C'était dur, hein. Ça m'a demandé un effort. Ok. Attention, tu vises. Oui. Pouf. Eh ben, dis donc. Si on gagne, on l'aura pas mérité. Hein. Je joue comme une daube.
On va prendre ça du coup, vas-y. Ça, faut pas viser, c'est plus facile. Ok. Merci bien. Merci bien. Ok, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à gagner. J'arrive quand même à les rater, hein. Quand même, hein. C'est une performance. Yes. Ah, il nous manquerait plus qu'un Trigger Fingers, qu'on a failli avoir tout à l'heure. On va pas revenir là-dessus, c'était vraiment trop con. Bref. Non. Merci bien. C'est un petit peu embarrassant. Un Toxic Launcher, ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est même pas un Toxic Launcher, c'est un Toxic Bow. Ça m'intéresse que très moyennement. Voire pas. Ok. Ok. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Tout va bien. C'est Little Hunter qui m'appelle, il me donne rendez-vous dans 2 minutes. T'inquiète mec, j'arrive. Oh putain. Bah écoutez, désolé, ça fait un épisode un petit peu court, mais c'est néanmoins mon épouse qui m'appelle pour que je la rejoigne. Du coup, étant donné qu'il va y avoir 3 épisodes de Nuclear Throne cette semaine, je me fais pas trop de bim sur le fait que cet épisode soit court, c'est pas très grave. En plus, aujourd'hui, je joue comme une daube, donc je crois qu'on va s'arrêter là, et puis j'y reviendrai plus tard, je vais me réentraîner un petit peu, me remettre le jeu dans les doigts, avant de relancer un épisode d'enregistrement. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, et puis moi, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien, ciao, ciao.